futur Air Padawan. Le PP700SA en calibre 5.5, je profite que je dois faire cette installation pour vous faire un petit tuto rapide du démontage de cette partie-ci, là, vous voyez l'embout, pour monter cette partie-ci qui va nous permettre d'installer un silencieux. D'accord ? Et pourquoi je vous fais un tuto ? Parce que je partais faire le démontage et puis je me suis dit, tiens, vas-y, facile. Et voyez là ? Vous voyez ces petits trous-là ? Ben, il faut un outil adapté. Et coup de bol, j'ai ça. Je vous fais voir. C'est un truc, vous savez, pour c'est une clé pour démonter les bracelets, les coffres. Pour les montres, ok, quand vous démontez le boîtier à l'arrière d'une montre pour changer la pile. C'est ce truc-là. Donc voilà, cette vidéo sera intégrée dans la vidéo où je vous explique ce truc. Mais je fais un petit tuto à part pour ceux qui voudraient juste s'occuper de cette partie-là. Petite vidéo courte. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vous montre comment je vais démonter ce machin. Les images, tout de suite. Voilà, tout bêtement. Hein. Vous enfoncez dans les petits trous. Alors, attendez, peut-être que je desserre, parce que tout à l'heure ça fonctionnait. Bon, j'ai fait un test à vide. Ouais, voilà, parce que c'est pas exactement la bonne dimension du truc. Et ça, je reconnais que c'est casse-bonbon. Voilà. Et après, oh pardon, vous avez rien vu. Vous voyez, j'ai enfoncé mes deux trucs. Et vous exercez une rotation pour dévisser. Et une fois que ça a commencé à dévisser, je parlais trop vite. Voilà. Oh bah c'est d'un chiant et je vous explique pas. Je peux pas serrer ma clé parce qu'en fin de compte, je suis obligé de tricher un peu, de la mettre en biais. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je m'y prends comme un manche pour filmer aujourd'hui. C'est comme ça. Vous voyez là, je suis obligé de tricher. Ah, mais rien que pour m'emmerder. Hein. Oh, si vous saviez comment j'adore ce truc, ce genre de petite galère débile. Il y a deux secondes, ça marchait et maintenant ça me casse les bonbons. En plus, je vois plus rien de ce que je fais. Voilà. On revient là. Ah, quand même. Je vais parler trop vite. Voilà. C'est toute une gymnastique. Hein. Pourquoi ça grippe pas de... Enfin, oh, mais casse les couilles. Hein. On dirait que c'est bon. Ça y est, je peux faire avec les mains. Voilà, on y est arrivé. Donc, vous voyez, alors, autre technique, à mon avis, si vous trouvez deux petites pointes, vous voyez, deux petites choses que vous mettez. Donc, ça y est. Vous avez vu, ça, c'est démonté grâce à cette petite chose qui n'est pas du tout étudiée pour ça. Mais l'idée, donc, ce que j'étais en train de vous dire, vous trouvez des petits ergots, deux petits ergots qui rentrent là-dedans, vous voyez, deux petites pointes. Et après, vous mettez une barre entre les deux et puis vous faites levier, vous voyez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je suis clair. Ce qui veut dire que c'est démontable. Maintenant, je monte l'adaptateur exprès pour le silencieux. Donc ça, ça va être beaucoup plus facile parce que là, pour ça, pour cette partie, pour le montage, il vous faut juste une clé Allen de 8. D'accord ? Tout bêtement. Donc c'est parti, je vous montre. Donc vous enfuyez, vous en chassez. Et attends, reste-toi là, toi. Je suis con. Voilà. Vous cherchez. Hop, le canon. Et vous vissez. Tout bêtement. D'accord? À la main au début. Et bien sûr, la clé Allen viendra à la fin solidariser l'ensemble. Là, je mets ma clé Allen. Et je serre. Pardon, c'est parce qu'on plie à la caméra. Non, je ne ferai pas comme ça. J'essaie de vous faire voir ça bien. Et voilà. Ça y est, l'adaptateur est installé. Vous voyez?
Ce qui est pas mignon tout ça. Et on va donc pouvoir visser le silencieux et faire les premiers tirs. Pas bien compliqué. Voilà, c'était le tuto spécial montage de l'adaptateur pour mettre le silencieux. Vous voyez? Je sais pas pourquoi, à chaque fois que c'est en vidéo, ça, je fais de la merde au début. Alors que c'est pas la première fois que je monte ce, voilà, ce silencieux sur cet adaptateur, mais quand même. Et voilà, c'est-il pas beau? Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant on va voir ce que ça ramène en gain de son. Donc on continue la vidéo sur les tirs, les images, tout de suite.